Pont-à-Mousson. Bonsoir, Pont-à-Mousson. Moi, je l'ai vu débuter, Julien Père. Mais croyez-moi que quand personne ne connaissait, quand ce mec est arrivé sur scène en chantant comme ça, vous savez, comme il chante. Moi, le premier disque de lui que j'ai acheté, je l'ai ramené au disquaire. J'ai dit non, il est gondolé, faut me le changer. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a fait un gala à Marseille. Ils n'étaient pas tout à fait habitués, alors il est arrivé, il leur a chanté ça, vous voyez. Partu, sans rien avoir pour se retenir. Un mec qui s'est levé, il a dit, putain, rentre dans le troupeau, il y a le berger qui s'inquiète. Non, ça c'est dégueulasse, on n'encourage pas les... Parce que la chanson française, moi, je l'aime parce que dans toutes les chansons en France, on parle d'amour, l'amour, 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 l'amour. Et c'est un beau sujet, l'amour. Et il y a une vingtaine d'années, on faisait des chansons d'amour très délicates, dans lesquelles jamais on n'osait sous-entendre qu'à un moment donné, le monsieur et la dame, ils allaient écouter crac crac. Jamais. Il y a un garçon qui a révolutionné la chanson d'amour, c'est Alain Bachung. Alain Bachung a été le premier à faire des chansons d'amour un peu osées, oui, un peu cru, quoi. Mais... Pourquoi je te coincerais pas la gueule dans la cuvette? Pourquoi qu'on ferait pas ça à quatre pattes sur la moquette? Je veux pas que tu te casses. Oh, n'attire pas la chance. C'est pas grave, alors. Depuis, il a installé le sanibroyeur à ses pas, ça va beaucoup mieux, vous voyez. Il fait plus des compiles, lui, c'est des tout à l'égout, vous voyez. Ah, faut suivre, hein. Et du coup, les femmes se sont mises à chanter des trucs osés. Moi, il y a une chanteuse que j'adore, c'est Mylène Farmer. Quoique, elle doit pas être en très bonne santé, hein. Elle est un peu palichonne, elle est là. Il faudrait la fiancer à Nicolas Hulot, qu'il la fasse sortir, qu'il fasse prendre l'air, vous voyez. Mais alors, par contre, il se dégage de ses chansons un érotisme. Je sais pas si vous avez fait attention aux paroles, mais alors, ouah, c'est toujours... Je fais une partouze, pourvu qu'on soit douze, il y aura du jambon et du saucisson. Elle a même prévu un petit buffet à la fin, vous voyez. Moi, ce que j'admire le plus, c'est sa façon de danser. Elle a dû apprendre sur un aéroport, c'est pas possible. Elle a... C'est vrai que dans le midi, elle n'a pas le droit de chanter en plein air, ça fait atterrir les canadaires. Alors, il y en a, ils disent, ouais, bien sûr, il défend la chanson française parce qu'il n'est pas au courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Si, je suis au courant, mais si. C'est que quand Johnny partait en tournée, il restait 2 mois sans se voir. Quand il revenait, il se jetait l'un sur l'autre. Ah, ils faisaient l'amour comme des fous. Elle lui disait, Johnny, oh, tu m'as manqué. Oh. Et lui disait, ah que, t'avais qu'à pas bouger. Ah. Évidemment. Et visiblement, il se détendait parce qu'il faisait un puzzle. J'ai dit, c'est beau ce que tu fais, Johnny. Mais ouais, j'ai mis 6 mois à le faire. Même que c'est un record, parce que sur la boîte, il y avait marqué entre 3 et 5 ans. Bien sûr. Évidemment, réussir dans la chanson avec de tels handicaps, avec Johnny, il a des problèmes. Et déjà, il a un défaut de prononciation incroyable. Il confond les OU avec les U. Remarquez ça. Il dit la mûre, tu jures. Tous les matins, il se réveille et se dit tiens. Si ça se trouve, il est venu pendant la nuit, il m'a sauté, j'ai rien senti, il est parti. Je vais porter plainte à tout hasard. C'est un beau pays, l'Amérique, mesdames. Vous passez devant la Maison Blanche, une petite main aux fesses, une plainte, quand vous êtes milliardaire. C'est pas devant l'Elysée que ça risquerait de vous arriver, ça. Vous aurez peut-être une main au cul, mais pour ce qui est du pognon, faut pas y compter. Imaginez, à la tombée de la nuit, vous demandez l'heure à quelqu'un. Pardon, monsieur, vous avez la heure? Je sais pas.
National, c'est...